Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est pas trop le cas, mais j'avais envie en fait de vous faire une petite vidéo découverte de Matinilou parce que je l'ai reçue enfin aujourd'hui. Du coup, je vais vous montrer un peu son contenu. Je l'ai pas encore ouvert, donc je vais vraiment l'ouvrir devant vous. Voilà. Avant toute chose, pour celles et ceux qui veulent attendre la surprise, je vous invite à cliquer sur la petite croix en haut à droite de votre écran parce que ben voilà, c'est. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment avoir la surprise, mais il y a beaucoup de petites curieuses comme moi qui vont fouiller sur les blogs et tout ça pour avoir des petits spoilers de leur box, parce qu'elles sont très impatientes de voir ce qu'il y a comme contenu à l'intérieur. Donc voilà, pour ce qui est du concept des box Tinilou, j'ai déjà fait une vidéo, je vous mettrai le lien par ici ou dans la barre d'infos. Voilà, donc ben, on commence par la Tinilou. Désolée d'avance pour ma voix, hein. Donc, on la reçoit dans un carton comme ceci. Voilà. À l'image de la marque, je suis pas très fan quand les colis, voilà, quand on voit la marque du colis en fait, parce que bah j'ai toujours peur avec, vous savez comment ça se passe à la poste, on a toujours peur en fait d'être volé entre guillemets, enfin même pas entre guillemets quoi. Donc voilà, je suis pas très fan du fait qu'on voie que c'est la Tinilou. Je préfère un carton tout basique. De toute façon, c'est l'intérieur qui nous convient en fait, enfin qu'on souhaite. Donc je l'ouvre devant vous, je vais couper la partie où j'ouvre le carton. Hein. Enfin, remarque, peut-être pas. Il suffit juste d'un petit coup de couteau. Hop, hop, hop. Voilà. Le seul petit regret, c'est qu'en fait je l'ai reçu ce matin et que ma fille, elle est allée à la crèche parce que moi je dois aller bosser juste ensuite, juste dès que je vous finis cette vidéo. Du coup, je pense que pour celles qui me suivent sur Facebook, je vous mettrai en fait les réactions de ma puce quand elle a découvert les petites choses qui se trouvent à l'intérieur. Moi, comme je vais vous faire la découverte en direct, comme ça, vous allez vraiment avoir mes réactions sur le moment, sur le vif, et vraiment voir ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Alors, on ouvre le petit bazar comme ceci, et à l'intérieur, on découvre un petit pochon. Oups, là. Voilà. Donc, le thème d'octobre, c'était une journée à la ferme. Je vais pas ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est le menu. Ils vont me dire les produits qu'il y a à l'intérieur. J'aime bien découvrir au fur et à mesure. Et le mois prochain, dans votre coffret, comme ils ont annoncé sur leur page Facebook, c'est un coffret spécial Tinilou et Info Bébé qui se font un partenariat. Et la valeur de la box sera de plus de 90 € et qui contiendra 7 produits. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit. Pour celles qui sont déjà abonnées, on va recevoir directement cette box bah, pour la botte de On novembre. reçoit les petits objets dans un petit pochon comme ceci. Donc, je vais ouvrir. Et je vais prendre. Alors, qu'est-ce que je vais prendre en premier? L'imagerie des bébés, la ferme. Alors ça, super d'avoir un livre dans la box parce que ma fille adore les livres, donc elle va être trop contente ce soir de le découvrir. Et ça respecte bien le thème, franchement super. Il a l'air tip-top. Il est un peu rigide, par contre, mais ça va. Et en fait, on vous met ce que chaque animal fait. La poule, elle fait ça, le coq, il fait ça, etc. Ah, franchement, super bien ça. Qui suis-je, le canard? Non, franchement, tip-top. Ah ben ça, l'imagerie des bébés, ma fille, elle va adorer. Son prix est de 5,60 €. Voilà. On regardera tout dans le menu ensuite, je pense. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Ensuite, on a Douce Nature. Alors ça, je sais pas c'est quoi. Il me semble que c'est un savon. Ah voilà, c'est écrit en français derrière. Dédulu. Alors, je vous le montre. Tac. Voilà, c'est un savon douceur à l'huile d'olive bio, sans allergène, formulé sous contrôle pharmaceutique, testé sous contrôle pédiatrique. Voilà, pour le bébé. C'est toujours sympa de recevoir un produit à tester. Moi, c'est vrai que je suis fidèle au produit Mestella vu que
Vu que bah, ça convient à mon bébé, mais pourquoi pas? Ça serait sympa de tester cette marque qui convient parfaitement par la toilette du bébé dès l'âge de 6 mois. Donc à utiliser qu'à partir de 6 mois celui-ci. Voilà. Est-ce qu'il sent bon? Il sent super bon. Bon, j'ai un peu le nez bouché, hein? Désolée d'ailleurs pour ma voix. Bon, j'ai dû vous le dire déjà. Non, franchement, il sent bon. Je le prends pas dans mes mains parce que c'est voilà, c'est vraiment directement le savon. Voilà. Non, ben ça a l'air sympa, franchement, à tester parce que du coup c'est voilà sans allergène et tout, ça peut être sympa pour la douche là. Ben on le testera dès qu'elle revient de la crèche à mon avis. Voilà. Hop. Ensuite, Velleda bébé crème pour le change. Bah ça c'est toujours sympa d'avoir une crème pour le change, mais quand vous avez déjà testé une et qu'elle convient à votre enfant, qu'elle fait rien de voilà, pas d'allergie ni rien, vous restez sur celle-là. Donc, ça serait sympa vu que Velleda c'est quand même une marque super pour les petits et pour les mamans aussi pendant leur grossesse. Du coup ça peut être à tester, voir. En plus ça a l'huile d'amande douce, non franchement super. Ben je testerai tout ça et je vous en dirai mon avis. Ensuite, donc déjà, ça fait déjà trois produits, donc génial. Ensuite, mes aspergeurs de bain. Trois aspergeurs très rigolos dès 10 mois. C'est la promesse du bain amusant. Ah, ben ça, super! Elle adore le bain maintenant. Nickel, on va pouvoir les tester dans le bain. Bon, là, j'ai tellement de jouets dans le bain, mais un de plus ou un de moins, franchement, c'est super, quoi. Ah ben ça super, c'est de la marque Baby Sun Nursery. Je vous les montre un peu plus. Hop hop hop. Voilà. Du coup, ça respecte encore un petit peu le thème, donc ça va. Par contre, ces deux choses-là, je vois pas trop à quoi ça correspond pour le thème une journée à la ferme. Mais bon. Alors, ça fait déjà 1, 2, 3, 4 produits déjà. Donc super. Et en dernier, on a, c'est quoi? Des petits chaussons. Hop, super facile. Il fallait que j'en rachète. Par contre, je vois qu'ils sont trop grands. Je le vois direct parce que ma fille, elle a des petits pieds. Et là, voilà, à mon avis, son pied, il va jusqu'à là, à elle. Donc, ça sera trop grand, mais bon, c'est pas grave. Elle l'utilisera pour plus tard. Je préfère que ce soit trop grand que trop petit. Donc voilà. Hop. La marque, c'est de Anne-Claire Petit Accessoires. Je ne connaissais pas du tout. Voilà. Alors, il se présente comme ceci. Tac, tac, tac. Franchement, c'est tip top. Je ne connaissais pas. Donc, voilà. Tac, tac, tac. C'est en laine, on dirait. C'est de la laine. En fait, c'est de la laine, ouais. Super bien fait. Hop. Voilà, donc bah tip top pour cet hiver, mais est-ce que ça va lui aller d'ici là? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire parce qu'elle a vraiment des petits pieds, mais bon, ça lui ira de toute façon un jour ou l'autre, donc pas mal. Et enfin, un petit truc pour maman, à mon avis, ouais, voilà, parce qu'il y a toujours un petit truc pour maman dans la box. Donc là, ce sont des pastilles à croquer, petit goût de boost, l'antifatigue naturel, bio, naturellement riche en vitamine C. Au citron et à l'acérola, complément alimentaire. Je suis pas fan des compléments alimentaires, mais bon, c'est des petites pastilles à croquer, on va voir. Ouais. Quand vous avez un petit coup de fatigue, voilà. Le seul petit bémol, voilà, de cette box, ce serait ça. Hop. Alors, je vais vous dire le menu. Alors, retrouvez dans ce mois-ci dans votre coffret une crème, voilà, une crème pour finir les rougeurs. Donc, c'est celle de Velleda. Voilà, celle-ci. Hop. Je barbote, souple et coloré, les aspergeurs ont la taille idéale pour que bébé puisse les tenir dans ses mains. Bébé va s'amuser à appuyer sur le ventre. Voilà. Punaise! Ça coûtait 14,90 €. C'est cher.
14,90€ ça, Velleda 5,50€, déjà on est au prix de la box. Donc, niveau rentabilité, super par contre. Voilà. Les chaussons, ils coûtaient 30€. Waouh. Je suis choquée là. Ah franchement, cette box, elle est vraiment super du coup, parce que... ouais, les chaussons, ils valent 29,90€ TTC. Le livre, il valait 5,60€. Donc, franchement, le livre, j'adore. les petites pastilles pour la maman, 3,30€. Et le savon douceur, le savon, écoutez, 3,50€. Voilà. Et il y a des bons plans avec des petites offres réductions en tapant des codes promo. Si vous voulez, je vous les mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller sur les sites partenaires et... si ça vous dit, profitez des réductions si vous avez quelque chose à acheter. Donc voilà le petit menu. Super top. Ben voilà, bon ben, bilan de cette box. Dans l'ensemble, je suis satisfaite. Franchement, dans l'ensemble, je suis satisfaite. Niveau ensuite, voilà, la box en elle-même. Elle est vraiment super pour le prix. On a vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6... On a 6 produits, donc voilà, je pense que je vais pouvoir tout tester, ça, mon coup de cœur de la box, voilà, parce que ma fille adore les livres, hein, vous le savez, donc ça c'est vraiment mon petit coup de cœur, ça aussi, les aspergeurs, surtout vu le prix, mais on n'en a jamais trop, des jouets pour le bain. Les petits chaussons aussi qui sont vraiment tip top, à part le fait qu'ils soient grands, moi je sais que je vais m'en servir plus tard avec la puce, donc ça c'est pas un souci, malgré que pour le moment elle a ses petits tichoups, mais à tester parce que ça m'a l'air d'être le système antidérapant, voilà, comme Kamala, ma princesse, avec les tichoups. Et ensuite tout le reste, c'est ce qui me plaît un peu moins, mais bon. Ça fait toujours plaisir d'avoir une crème pour le change. Si ça lui convient, je la donnerai à la crèche parce qu'il faut toujours avoir une crème en plus là-bas. Le savon, je le testerai parce que c'est toujours sympa de tester un truc bio. Et les compléments, c'est vraiment pas mon truc. Donc, je sais même pas si je vais les tester. Voilà, bilan de cette box assez mitigé, mais quand même très bien dans l'ensemble. Et je pense que je vais rester... abonné surtout quand on me dit que le mois prochain il y a 90€ dans cette box. Je vais faire le calcul et ici je vous mettrai le montant de cette box par rapport aux 20€ que vous payez pour recevoir cette box, hors frais de port. Donc voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Coucou à tous, je reviens. Coucou à tous, j'espère que tout va bien. Je trouve qu'elle est vraiment rentable pour le prix. Elle est super. On a... Oups.